fois le protocole de recherche établi et le financement trouvé, la recherche à proprement parler peut commencer. En climatologie, comme sur de nombreux sujets, le travail de recherche peut prendre des formes différentes qui sont associées à des métiers différents qu'on peut essayer de faire citer aux élèves dans un débat. On trouve des ingénieurs et des techniciens dont le rôle est de développer, de faire fonctionner, d'améliorer les instruments de mesure du climat, mais aussi les codes numériques qui constituent les modèles utilisés par les chercheurs. Ils participent avec les chercheurs à l'organisation et à la réalisation de campagnes de mesure de terrain au cours desquelles on recueille les données. Le rôle des chercheurs, quant à eux, est de faire avancer les connaissances en concevant les expériences et les modèles nécessaires, en travaillant à leur réalisation avec les ingénieurs et les techniciens, et en interprétant les données recueillies. S'il est enseignant-chercheur, il a également une mission de transmission des connaissances pour la formation des étudiants post-bac, mais aussi la formation tout au long de la vie. Par exemple, comme chercheur, j'ai récemment participé à une campagne de mesure de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, au cours de laquelle un préleveur d'air, construit par des ingénieurs et des techniciens, a été lancé sous un ballon qui est monté jusqu'à 30 km d'altitude et a permis de mesurer la quantité des gaz à effet de serre présentes au-dessus de notre tête. Une ingénieure a organisé la mission avec les chercheurs sur une semaine à côté d'Orléans. On trouve aussi maintenant des métiers de chef de projet scientifique, où il s'agit là d'organiser un travail d'un projet scientifique avec des compétences à la fois scientifiques, il faut comprendre le problème, mais aussi managériales, il faut faire travailler les gens ensemble sur ce projet. On trouve enfin du personnel administratif qui aide la bonne marche de la recherche en organisant les missions et en gérant les embauches et les contrats de recherche. Comme on le voit, la recherche est un travail d'équipe. Il est de plus en plus rare qu'un chercheur travaille seul. Il doit établir des collaborations avec d'autres chercheurs et d'autres métiers, par exemple des ingénieurs. Il y a donc beaucoup d'échanges, soit par Internet, on peut utiliser Skype, soit lors de réunions de chercheurs, lors de colloques et de conférences nationales ou internationales. On en reparlera lors de la semaine sur la communication probablement. Le travail concret se répartit ensuite entre le terrain et le laboratoire. Les campagnes de mesure sur le terrain peuvent se faire partout dans le monde, de l'Antarctique, on a parlé de l'étude des glaces polaires, à la Sibérie pour l'étude des pergélisols, mieux connu sous le nom de permafrost. En passant bien sûr par les tropiques, par exemple le phénomène El Niño qui est actuellement en cours, l'étude des moussons, mais aussi les moyennes latitudes, nos latitudes, par exemple avec l'étude de la pollution atmosphérique, l'étude des océans ou des nappes phréatiques. Le travail de recherche se fait aussi en laboratoire d'analyse, où il faut faire souvent des mesures très précises sur des instruments compliqués pour arriver à extraire une information utile pour faire progresser les connaissances. Par exemple, pour l'étude de la pollution atmosphérique, il faut être capable d'aller compter une molécule d'un gaz polluant parmi un million de millions d'autres molécules. Le travail de recherche peut aussi se faire sur ordinateur avec l'écriture et le débogage de milliers de lignes de code informatique qui constituent les modèles de climat, par exemple. C'est parfois un travail de fourmi de trouver les erreurs et de les corriger pour faire fonctionner un code informatique. Il existe un certain nombre d'expériences pratiques assez simples pour faire de la recherche en classe avec les élèves. On en trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources disponibles qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Pour les classes de CM, par exemple, on trouve même des petits modèles informatiques qu'on peut faire fonctionner en ligne pour voir la dispersion de la pollution ou étudier le changement climatique, par exemple. Le chercheur jouit d'une certaine liberté dans son métier, ce qui est important pour que des idées nouvelles puissent émerger et s'épanouir. C'est toutefois de moins en moins vrai, car le chercheur, surtout quand il devient expérimenté, passe de plus en plus de temps à chercher les financements pour développer son activité, au détriment parfois de son travail personnel de recherche et parfois aussi du côté fondamental de ce travail. Il est vraiment important de faire sentir aux élèves l'importance de maintenir des recherches fondamentales qui n'ont pas forcément d'application immédiatement perceptible. Dans le domaine du climat, on a encore beaucoup de mécanismes fondamentaux à comprendre et pour expliquer ce qui se passe. Par exemple, on a encore du mal à comprendre l'origine du phénomène El Niño dans le Pacifique qui perturbe fortement le climat et les activités humaines dans tout le Pacifique. Il y a des feux en Indonésie, il y a une baisse de la pêche en Amérique du Sud, par exemple. Dans un autre domaine, les mémoires des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui, notamment pour la modélisation du climat, doivent énormément à des travaux menés dans les années 70, notamment dans le cadre du prix Nobel d'Albert Fert, sur l'orientation des particules magnétiques. Et à l'époque, on n'avait aucune idée à quoi ça allait servir. Un autre élément important dans la recherche est la persévérance. Une découverte scientifique a rarement une trajectoire linéaire. On se trompe, on échoue, on repart avec d'autres hypothèses. Savoir apprendre de ses erreurs est indispensable dans le travail du chercheur. J'imagine que c'est un message important et expérimenté quotidiennement par les professeurs des écoles sur plein de sujets, mais il ne faut pas hésiter à le marteler, car il sert bien sûr bien au-delà de la recherche scientifique.
En résumé, le travail de recherche est très varié, du terrain, du laboratoire, de l'ordinateur, et demande toujours une rigueur et une persévérance, en plus de l'intérêt, voire de la passion pour la question scientifique posée.